les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes plutôt sympa. Alors, c'est un tour de cartes plutôt connu que certains d'entre vous connaissent sûrement, mais avec une petite subtilité ajoutée à la fin qui donne un petit bonus à cette routine très jolie. Et bien entendu, en fin de vidéo, le tirage du sort du concours sur le gimmick Reset. Donc, regardez la vidéo jusqu'au bout car le gagnant sera annoncé dans le tirage au sort. Sur ce, place tout de suite à la démo et aux explications derrière. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte librement au hasard, peu importe la carte. Ici, le 2 de carreau. 2 de carreau, votre carte. Et pendant ce tour, je vais vous faire toute une démo des mélanges qui existent dans le monde. A commencer par le nôtre, celui de chez nous, le mélange français, tout en perdant la carte de 2 de carreau. Mélange français très simple qui consiste à battre les cartes juste comme ceci. Voilà. On peut couper le jeu en général aussi et on peut en remettre une couche comme ceci. Voilà, ça c'est le mélange français. Ensuite, on a deux autres mélanges, les mélanges américains. Donc, le premier qui se fait en l'air comme ceci, avec la fontaine qui est très appréciée en général des spectateurs. Et le deuxième, plus connu des joueurs de poker, qui se fait sur table. On fait deux paquets identiques qu'on ait feuille et qu'on ait brique. Voilà, ça c'est le mélange américain sur table. Ensuite, on a le mélange espagnol. Espagnol, il fait très chaud en Espagne, donc ils ont des éventails, ils se font de l'air un peu et hop, après ils mélangent. Ils imbriquent les deux et ça mélange aussi. C'est assez joli à regarder. On a le mélange russe, vraiment rien à voir, un peu plus brutal. On est feuille comme ça, tac, les cartes s'éjectent. Donc des fois ça fait bordel, mais le but de mélange, de toute façon, c'est de bien mélanger. Donc ça pose pas de soucis. On a le mélange belge. Vous connaissez le mélange belge? Le belge, il part comme l'américain. Il s'applique, il fait deux paquets, parfait. Et hop, il est riff et il est romé. Alors je sais pas si ça mélange réellement, mais bon, c'est une petite blague sur les Belges. On a le même style sur les Corses. Le Corse, il pose le paquet comme ça, il dit tu vas te mélanger, tu vas te mélanger. Voilà, c'est dans le même délire. Non, je plaisante. Je vais en venir au vrai mélange, comme l'a montré celui-là, c'était le mélange japonais. Alors, mélange japonais, il est fou. C'est mettre des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. À l'endroit, à l'envers, vraiment, en fait, le but du mélange, c'est de faire le bordel dans le jeu. Alors, je vous dis, je l'en mets. La première fois qu'on me l'a montré, t'imagines, tu vas au Japon, tu fais un tour de magie, tu dis tiens, mélange les cartes, le mec il te fait ça, il te rend le paquet dans tous les sens, mais tu te retrouves en galère vraiment. Tu vas te retrouver avec des cartes face en bas, face en l'air, vraiment dans tous les sens, c'est un merdier dans le truc, mais bon, si tu es très fort, tu claques des doigts, et là, que tu veuilles ou non, toutes les cartes redeviennent dans le même ordre. Toutes. Sauf une carte. Une seule. La carte choisie, le 2 de carreau. Et là, waouh, truc de fou. Mais, c'est pas fini. Si tu es encore plus fort, tu claques à nouveau des doigts et là, toutes les cartes se retrouvent triées. D'un côté les rouges et d'un côté les noirs. Voilà. Allez, on se retrouve pour les explications. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un jeu de cartes. Ici, j'utilise un bicycle. C'est beaucoup mieux pour apprendre ce type de tour. Donc tout au long de la routine, on va présenter différents mélanges. Alors, j'insiste bien, je ne vais pas insister sur l'apprentissage des mélanges dans cette vidéo. Je vous invite à aller sur mon école de magie, tutomagie.fr. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'inscription. Et vous avez tous les détails de tous les mélanges que je vais présenter ici. Vraiment. Au moins vous êtes sûr d'avoir tous les détails car ici je vais aller plus ou moins vite sinon la vidéo durerait trop longtemps. Ici on va voir vraiment le déroulement, comment réaliser l'enchaînement et l'effet final. Alors pour ce faire vous faites choisir une carte, peu importe la carte, imaginons ici le 7 de pique. Et vous allez contrôler la carte sur le dessus grâce par le premier mélange, le mélange français. Donc vous prenez comme c'est, vous partez en mélange français, la carte est replacée et hop vous commencez alors à battre les cartes. Alors la première décalée et le reste par dessus. Du coup, vous avez votre repère, cette carte qui est sur la carte choisie. Vous coupez le jeu, très facilement vous récupérez à cet endroit-là, et vous coupez le jeu. De cette manière, la carte est toujours dessus. Vous pouvez continuer encore un coup le mélange français en pinçant, et tout en gardant en fait la carte sur dessus. Et là, vous avez fait le premier mélange français. Deuxième mélange, mélange américain, donc la carte est dessus. On coupe ici comme ceci, hop, hop, on effeuille. La carte est toujours dessus. Et fontaine, on a fait un mélange américain mais en contrôlant la carte sur le dessus. Deuxième mélange américain sur table, pareil, la carte est ici, hop, on garde toujours dessus, on imbrique et la carte est toujours contrôlée dessus. Mélange espagnol, on part comme l'américain, tac tac, on se met comme ceci, deux éventails, la carte contrôlée ici, on imbrique et elle reste toujours sur le dessus. Encore un mélange, mélange russe. Là, on part de la main gauche, comme l'américain, pour récupérer les cartes du bas. Et là, on va expédier, donc on va appuyer en fait, et c'est le biseau qui va expédier les cartes. Donc c'est un peu difficile à apprendre, mais ça marche si on les fait partir. Et là, on les fait en même temps, on sait que la carte contrôlée est ici. Donc ça donne ceci, hop, et on imbrique dedans, comme ceci.
on a toujours notre carte contrôlée sur le dessus. Mais l'ange belge, c'est pour la blague, hein, en fait, soi-disant, les Belges, voilà. Hein, donc c'est pour rigoler, c'est la petite blague sur les Belges, qu'on peut faire également sur les Corses, en disant que les Corses, voilà, ils tapent sur le jeu, et ça va se mélanger, voilà, c'est une petite blague pour détendre l'atmosphère tout au long de la routine. Et là, la dernière phase, c'est la phase clé du tour, en fait, c'est le mélange japonais. Alors en fait, vous retournez le jeu face en l'air, comme ceci, et la carte contrôlée qui est en dessous, vous allez devoir la retourner. Alors pour faire, c'est simple, vous allez effeuiller pour apprendre un break, comme ceci, et là vous penchez vers l'avant le jeu, donc ça c'est sous couvert, on voit pas la carte là, et vous faites pivoter et vous revenez dans le mouvement d'égaliser. Donc vraiment c'est sous couvert, hein, on voit rien, hein, vous prenez votre break en parlant, vous effeuillez, vous prenez, hop, vous avancez, hop, vous pivotez et vous égalisez, ça se voit pas, ce mouvement est invisible. À partir de là, vous allez faire un tri sous les yeux des spectateurs. Sous prétexte de retourner les cartes, vous allez faire un tri. Mais regardez bien comment vous allez faire. Là, vous partez, c'est des rouges. Deux rouges, vous les prenez dans ce sens, la main, donc la même paume vers le haut. Noir, vous pivotez. Vous voyez, c'est le poignet qui pivote. Et on met les noirs. Hop, on voit des rouges, on repivote. On met des rouges. Noir, rouge, et ainsi de suite. Noir, rouge. Et ce mouvement est très important, il faut le faire jusqu'à la fin, comme ceci. On va jusqu'au bout, hop, noir, rouge, voilà. Et fait assez rapidement, on a l'impression qu'on met des cartes dans tous les sens. Et même si ça déborde, c'est pas grave, c'est pour montrer que c'est vraiment fait à la bourre, hein, au final. Hein. Il faut y aller comme ceci, hop, hop. Et quand vous arrivez vers la fin, en fait, tac, tac, la carte, en fait, qui est ici, devra toujours rester en dessous. Donc là je finis sur les rouges et celle-ci reste en dessous, on la met pas dessus, on la met toujours ici, elle sera à l'envers dans tous les cas, et on égalise. Et en fait ce mouvement, ce qu'il a fait, c'est que ça a mis toutes les cartes noires dans un sens et toutes les cartes rouges dans un autre sens, avec la carte choisie à la fin. De cette manière, vous pouvez couper soit la partie haute pour montrer qu'on a des cartes retournées, soit la partie basse pour montrer qu'on a des cartes face en l'air. Et ça montre, ça fait un truc comme quoi c'est le bordel dans le jeu, vraiment, on a des cartes dans tous les sens. Et quand vous êtes prêt, vous allez tout simplement, il y a une brisure naturelle qui va se faire où les deux cartes sont face à face. C'est comme ça, vous regardez, juste en posant le jeu, on arrive à couper dessus, hein, c'est comme ça, c'est la brisure naturelle qui s'est formée. Donc vous allez pouvoir couper très facilement sur cette brisure naturelle, juste en tout doucement, voilà, comme ceci, on coupe. Et là vous allez faire basculer en avant, retourner celui-ci dans le mouvement de vouloir faire un ruban. Je vous remontre. On est comme ceci, vous venez comme ceci. Donc on coupe dessus. Et hop, on bascule, on pivote. On referme, et ça dans le mouvement de venir faire le ruban. Ce qui fait en fait que toutes les cartes passent dans le même sens, sauf une carte. C'est la carte choisie forcément. Waouh, après tous ces mélanges, on retrouve la carte et on remet toutes les cartes dans le même ordre. Premier effet. Et là, en fait, finalement, vous avez séparé également les rouges des noirs. Donc, on se retrouve avec les rouges d'un côté et les noirs de l'autre. Et bien sûr, tout est examinable. Et voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. En tout cas, c'est un tour très connu, hein, les mélanges du monde, avec cette petite subtilité à la fin qui peut changer la donne, hein, c'est le fait de séparer les couleurs. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer cette petite idée que vous pouvez peut-être appliquer sur d'autres tours. Bien entendu, voilà, certains d'entre vous peut-être ne connaissez pas ce petit tour, hein, parce qu'il y a aussi des débutants. Sachez que même si vous connaissez certains tours que je présente sur ma chaîne, d'autres ne les connaissent pas. Donc voilà, j'essaie de faire des tours un peu pour tout le monde, donc ne vous méprisez pas des fois quand je fais des tours un peu plus simples et un peu plus connus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand même dans les commentaires, les retours sont très importants. N'oubliez pas le pouce bleu qui permet de référencer ma chaîne et de m'aider dans le référencement de ma chaîne et de me faire connaître sur YouTube. Également, si vous êtes débutant ou que vous cherchez à vous perfectionner dans la magie et sur des techniques, etc., n'hésitez pas à aller sur mon école de magie, tutomagie.fr, l'école de magie 100% gratuite sans aucune inscription, hein, c'est instantané, c'est du streaming vidéo. Si vous avez des questions, les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Donc si vous avez des questions en direct, je réponds assez rapidement en général. Sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à partir du 1er décembre. Il y aura une surprise, ne manquez pas la première vidéo, l'info sera lâchée sûrement dans la semaine. Mais le mois de décembre risque d'être chargé en magie sur YouTube. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec les résultats et le tirage au sort du concours pour le gimmick reset. Merci à vous, ciao. Donc on se retrouve pour le tirage au sort, en fait, du concours, donc pour le gimmick reset. Donc j'ai mis l'URL de la vidéo et j'ai coché la case comme quoi il n'y a pas de duplicata de commentaires qui compteront. Donc ça nous donne 422 participants, donc 422 commentaires, c'est énorme, vous avez été vraiment nombreux pour ce concours.
Donc on va procéder au tirage au sort tout simplement du gagnant. Donc c'est parti. Hop, on attend. Attention, et voilà le gagnant, c'est Siméon Ranevoson. Donc je sais pas si j'ai écorché ton prénom ou ton nom, mais voilà, donc version bleue, donc tu recevras ton gimmick reset. Donc je vais te contacter, je vais t'envoyer un petit message, et toi il faudra que tu me donnes ton adresse. En tout cas, félicitations, tu reçois un super tour qui est reset. Franchement, tu vas te régaler parce que c'est vraiment un très bon tour. Quant aux autres, merci à tous de participer, de me suivre, ça fait vraiment plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine dès le 1er décembre pour vraiment la grosse surprise et beaucoup de magie. Sur ce, je vous dis ciao. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un tour de magie que j'apprécie, que j'utilise et qui fait partie de mon répertoire.